À saint jean de marraine Lionel Gonsalves a repris au début de l'année l'auto-école située Route de Bordeaux. Après deux ans passé à Souston comme moniteur, il a décidé de se mettre à son compte. Je me suis installé euh, fin janvier. J'ai eu le numéro d'agrément le 31 janvier, donc j'ai pu commencer à travailler. Je me suis installé ici parce que j'ai eu une opportunité euh, de la personne qui était présente avant. Euh, elle partait sur Dax, donc elle voulait vendre euh, l'auto-école euh, qu'elle avait ici. Sachant que je savais que euh, l'auto-école. Qui étaient également présentes sur saint jours puisqu'ils étaient deux à les fermer. J'ai pris la décision, après réflexion, de reprendre l'auto-école et changer le nom et changer un peu le style de l'auto-école précédente. Un style et une pédagogie dans laquelle Lionel Gonçalves fait toute confiance à ses élèves pour leur donner le plus tôt possible les commandes. Après sa première heure de conduite, Henri a fait un aller-retour saint sous temps. Je pensais avoir que le volant au départ. Et ce qui est bien justement, c'est qu'il nous permet d'apprendre plus vite. Donc, déjà donc parce qu'il explique bien les choses. Et après, ça nous permet de, de pouvoir conduire et faire euh, ce qu'on ne pourrait pas faire ailleurs. Quoi. Le but, c'est qu'il apprenne beaucoup plus vite, oui. C'est-à-dire euh, qu'une formation euh, qui définit ses compétences à peu près entre euh, 12h et 14h de conduite. Et euh, qu'on passe euh, entre 10h et 14 heures de conduite environ, euh, ce qui représente. Euh, environ 26 à 28 heures de conduite, à préparer l'examen. C'est-à-dire une partie du temps où on apprend vraiment à connaître le véhicule et les différentes compétences qu'ils ont à apprendre. Et l'autre partie du temps, c'est-à-dire entre 12 et 14 heures, faire des examens blancs pour qu'ils soient préparés pour le permis de conduire. Avec sa méthode, Lionel Gonçalves compte en moyenne 4 mois et 30 heures pour obtenir code et conduite, sans chercher à facturer des heures supplémentaires non nécessaires. Vraiment la moyenne j'ai compté depuis le début de l'année, elle tourne entre 26 à 28 heures de conduite réelle. Je crois que le plus long que j'ai pu faire, c'était 34 heures de permis. Et le plus court, j'ai eu 5 élèves en 20 heures de conduite qui ont eu leur permis. Le moniteur a les mêmes exigences pour le code, avec un suivi individuel et régulier de la progression de ses élèves. Le code, en fait, ils ont un accès en ligne pour la salle de code. Moi, il n'y a pas d'application, parce que les applications sont payantes, ce qui m'ennuie de leur faire payer. Même si je pourrais leur faire facturer, ce n'est pas le but. Euh, ils font par, directement sur leur téléphone, ou alors ils ont une tablette et euh, ils se connectent sur un site. Qui s'appelle mobipermis.com. Ensuite, ils ont deux accès en ligne pour travailler chez eux, puisque je suis quand même un petit village, donc j'ai beaucoup de villages aux alentours qui habitent à 5-6 km. Ils n'ont pas forcément le temps de pouvoir venir, donc je regarde leurs résultats sur Internet. Et si je vois qu'ils n'en font pas assez, j'envoie un petit message aux parents qui les recadrent gentiment. Lionel Gonçalves assure aussi des corrections à l'auto-école, qui en à peine un an a déjà une bonne réputation auprès des élèves. J'ai choisi cette auto-école déjà parce qu'elle m'a été conseillée donc plusieurs fois et par plusieurs personnes et euh, donc c'est une auto-école qui est sur, sur Saint-Jour de marraine là où j'habite et donc euh, ça m'a donné envie de venir ici. Saint-Jour auto-école est en pleine progression. Patron et seul moniteur Lionel Gonsalves a décidé de recruter un nouveau formateur afin d'assurer au mieux les cours et le suivi des élèves.